L'intelligence artificielle. Artificial intelligence. Je fais partie des gens qui ont très très peur de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Ça vous fait peur, l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Vous aurez lu sur Internet du système AlphaGo. C'est un système développé par Google qui joue au jeu japonais de Go, qui maintenant est plus fort que le meilleur joueur humain. Vous aurez vu aussi des voitures qui commencent à se conduire tout seules. Vous avez aussi utilisé les technologies de l'intelligence artificielle. À chaque fois que vous faites une question à Siri sur votre iPhone ou à Google Assistant sur votre Android, vous avez utilisé un système d'intelligence artificielle. Si vous recevez un post de Facebook ou un conseil pour l'achat d'Amazon, le poste a été choisi par un système d'intelligence artificielle. Sûrement, vous avez vu aussi des films qui parlent d'intelligence artificielle. Je pense à Odyssée dans l'espace 2001. Je pense à Blade Runner, ou bien, si on veut penser à quelques films un peu plus récents, je pense à Ex Machina. Et vous aurez entendu aussi beaucoup d'opinions opposées. Il y a des gens qui pensent que dans très peu d'années, on aura la possibilité d'uploader notre cerveau dans quelques grands ordinateurs dans le ciel. Il y a des autres qui disent que tout cela est tout à fait irréaliste et impensable. Il y a des autres encore qui pensent que c'est bien pensable, mais que c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Donc, beaucoup d'opinions opposées. Que devons-nous penser? La première chose à dire, qu'on ne peut pas exclure en voie de principe qu'un jour, on pourra développer réellement un système d'intelligence artificielle avec une intelligence semblable aux nôtres. C'est possible. Mais le fait que c'est possible ne veut pas dire absolument que cela va arriver. Donc, il faut partir des faits. Dans ce dossier, nous allons parler des technologies de l'intelligence artificielle. Comment on le fait? On va parler des applications. Où est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui et aussi demain? On va parler des implications pour notre société, pour le travail, pour notre vie quotidienne, pour le pouvoir politique, pour les militaires. Et enfin, on espère vous laisser avec beaucoup de doutes. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, qu'il y a beaucoup d'opinions contreposées et nous voulons vous donner les bases sur lesquelles vous pouvez former vos propres opinions.